Alors c'est maintenant, à la retraite, que Karim Benzema s'intéresse à l'Algérie. Est-ce que vous trouvez ça normal, franchement? Alors je peux comprendre qu'il vienne voir sa famille en Algérie, qu'il soit accueilli par sa famille, c'est tout à fait normal. Mais quand les médias considèrent Karim Benzema comme un prince et qu'il lui déroule le tapis rouge, franchement ça fait mesquine. Franchement ça fait mesquine. Ça donne une image de l'Algérie qui ne récupère que les miettes. Karim Benzema, 300 000 km au compteur. Maintenant qu'il a mis le pied en Algérie, ben voilà, tout le monde s'intéresse à lui. Ben, je trouve que certains médias, hein, qui sont super fiers de voir l'arrivée de Karim Benzema en Algérie, qui le considèrent comme un prince, alors qu'il n'a pas joué pour l'Algérie, il n'a jamais joué pour l'Algérie. Il a joué pour le bleu, blanc, rouge, pour la France. Il a porté les couleurs de la France. Donc voilà, encore une fois, je trouve ça normal qu'il vienne voir sa famille, c'est tout à fait compréhensible. Bon, après, s'il veut visiter l'Algérie, je comprends, il est bienvenu, d'accord? Mais voilà, c'est le traitement médiatique autour de Karim Benzema. Mais je trouve que ça donne pas une bonne image de l'Algérie. Ça donne une image de pays qui ne récolte que les miettes.